Beaucoup de choses de travail spirituel se passent la nuit. Alors, bonsoir les fidèles de tronc que nous sommes. Je salue mes pères spirituels. Je vous respecte. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Vodun Tronc que les nuits tu vas dormir. Non, la nuit n'est pas faite pour dormir. Si vraiment tu as besoin de soutien, tu as besoin de Vodun Tronc, tu dois le déranger la nuit. Tu dois vraiment le déranger la nuit. Tu dois vraiment le déranger la nuit. Kounongan, tu dois faire zanpé. Tu dois commencer par faire zanpé. Si tu ne sais pas faire zanpé, va voir ton Kounongan. Va voir ton Kounongan. Zanpé est puissant. Zanpé est puissant. Ça débloque les situations. Quoi qu'en soit la situation, quand tu fais zanpé, tu dois trouver satisfaction. Si c'est la sorcellerie, si c'est blocage de travail, si c'est quoi qu'en soit, si c'est blocage de quelque chose, quand tu fais zankpin, le vaudon tronc doit débloquer l'affaire. Va voir ton Kounongan. Il va vraiment t'expliquer ça. Les Kwedigan, les adeptes de vaudon tronc, la prière de nuit ne dort pas. Toi qui as vraiment besoin de l'esprit tronc, tu dois le déranger à la maison. Toi qui n'as pas le vaudou tronc à la maison, faut payer cola à la maison. Faut payer bougie à la maison. La nuit, à partir de 0h, mets-toi toute nuit. Prends le cola. Allume la bougie. Allume la bougie blanche. Allume la bougie blanche et prends le cola. Faut le déranger. Ouvre ta bouche et parle la nuit. Fais la prière. Ça suffit les difficultés. Ça suffit les manques. Aussi vrai que tronc est tronc, ma vie doit changer. Aussi vrai que les ancêtres sont toujours les ancêtres, mes situations doivent régler, doivent débloquer. Dérange le votre tronc et tu trouveras la paix, la joie, la santé, les bonnes choses. Ainsi soit-il. Alafia, alafia, alafia.